Samedi 18 février dernier, Pierre Palmade a été aperçu, puis filmé à sa sortie du tribunal de Melun. La vidéo du comédien, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Découvrez pourquoi. Si est-il une affaire dont les rebondissements ne cessent de s'enchaîner. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a été victime d'un violent accident de voiture au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. D'abord défini comme étant grièvement blessé, le comédien parvient à retrouver un état stable au bout de 2 jours. Ce qui n'est pas le cas des autres personnes présentes dans la voiture percutée par l'humoriste, parmi lesquelles, un père de famille âgé de 38 ans, son enfant de 6 ans, défiguré, et une femme enceinte, qui a perdu son bébé depuis. Une analyse toxicologique effectuée sur Pierre Palmade après la collision a permis de révéler qu'il était sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits. Une nouvelle qui force désormais la justice à s'en mêler. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, l'acolyte de Muriel Robin a pris compte de sa sentence vendredi 17 février dernier. Le parquet de Melun a finalement décidé de ne pas envoyer l'humoriste en prison, mais plutôt le placer sous assignation à résidence au sein du service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique. Pierre Palmade aperçu à la sortie du tribunal après avoir pris connaissance de sa sentence, Pierre Palmade a immédiatement pris la direction de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, où il est assigné à résidence, d'après les informations de Paris Match. Vêtu d'un sweat à capuche gris, avec un masque sanitaire qui lui couvre une partie du visage, celui qui est visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques a d'ailleurs été filmé à sa sortie du tribunal, où il marche d'un pas déterminé pour monter dans un taxi. Mais un détail semble avoir surpris les internautes. Il est en forme Palmade, il y a une semaine il était entre la vie et la mort, des côtes cassées etc. La médecine de nos jours fait des miracles à le voir galoper comme ça, il marche vachement bien pour un gars qui a eu un accident grave. La famille en face n'a pas eu cette chance, il n'a pas l'air d'avoir eu des côtes cassées. Il marche bien pour quelqu'un qui était vraiment mal, peut-on lire parmi toutes les réactions. La famille qui se trouvait en face de lui n'a pas eu cette chance.